Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Avec Mosley, Mosley, rebonjour. Bonjour DAF Fresh, rebonjour tout le monde. René Rutte-Fallon, comment tu vas ce matin? Je vais très bien, merci. Alors, il y a une nouvelle constitution qui vient d'arriver. Le président a reçu le Conseil constitutionnel. Oui, le président a reçu le comité constitutionnel hier. Ah, c'est pas le conseil constitutionnel, non, c'est le comité, hein. Oui. Ah, d'accord. Le comité national constitutionnel qui est dirigé par madame Muriel. Donc c'est le comité là qui sera chargé de qui est chargé de la rédaction de la nouvelle constitution. Mais qui est chargé de l'élaboration, parce que celui qui élabore, c'est pas forcément celui qui rédige, hein. Je crois que c'est la même commission qui va s'occuper des deux. Maintenant après, on peut avoir d'abord l'élaboration dans la mesure où on a vu que hier ils ont remis au président de la transition, du moins ils ont partagé avec le président de la transition les grandes lignes de cette constitution et qui devra, on va dire plus ou moins, être au cœur même des discussions pour les prochains 6 mois de l'année 2024. Vous savez très bien qu'il y a en prévision l'organisation d'un référendum pour son adoption et évidemment on est en droit de croire que ce comité national constitutionnel a pour ambition évidemment de faire en sorte qu'il y ait quand même une bonne assise ou une bonne compréhension de tous les textes qui seront pris qui vont renforcer le bloc constitutionnel comme on dit souvent au Gabon. Et il faut savoir qu'il y a déjà une base parce que vous savez très bien que depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, ils ont signifié que eux ils s'appuyaient sur la constitution de 1991 pour pouvoir écrire la nouvelle constitution, du moins pour doter le Gabon d'une constitution qui soit, on va dire, pratiquement intangible et que personne n'aura à modifier à souhait comme on l'a connu ces dernières années. Et dans cet objectif, on voit bien qu'il y a un travail qui est fait. On a appelé plusieurs constitutionnalistes gabonais qui sont plus ou moins connus. Il y a des membres du gouvernement, il y a le membre du gouvernement, il y a un certain nombre d'anciens du système. On parle par exemple de M. Zakari Mimboto, donc c'est pas rien. On voit bien que derrière, l'ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir offrir à notre pays une constitution qui soit de nature à permettre à ce qui est le respect des normes qui sont consignées dans la constitution de 1991, mais aussi faire en sorte qu'elle soit plus ou moins protégée de toutes les transformations qu'on a connues depuis 1991 en question à aujourd'hui et qui ont fait qu'à un moment donné, on a pensé que notre constitution était devenue un chiffon parce qu'on l'a modifiée à souhait, on pouvait l'amender comme on voulait et sans que cela ne soit réellement l'émanation du peuple. C'est vrai que d'antan, le système préférait, du moins l'exécutif préférait aller directement interroger le Parlement où il y a les représentants du peuple, comme on dit, étant donné que nous sommes dans une démocratie représentative. Donc, à ce moment-là, ce sont en majorité les députés et les sénateurs qui donnaient leur quitus, notamment les députés, pour la modification de la loi et faire en sorte qu'on soit dans la situation qu'on a connue et qui a pratiquement conduit à l'avènement des militaires au pouvoir dans la mesure où pour eux, ce qui les a motivés en premier, c'était le désordre constitutionnel qu'on enregistrait désormais dans notre pays. Et à partir de là, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, les élections de 2023. Et aujourd'hui, on est en droit de croire que ce qui est en train de se faire, c'est un travail qui va beaucoup plus dans le sens d'apporter une lecture suffisamment intéressante en ce qui concerne le respect de la Constitution, mais aussi de permettre à ce que les institutions gabonaises ne soient plus sujettes à une domination des personnes, mais que ça soit des institutions fortes qui sont là pour garantir le droit, pour faire respecter le droit, pour faire en sorte que chaque Gabonais se reconnaisse dans les termes qui sont lus ou dans les différentes prises de décision qui pourraient être faites en rapport avec la Constitution. Donc c'est tout le sens de cette visite, du moins de cette rencontre entre le président de la transition et le comité national de transition, donner déjà les premières lignes, donner les premières orientations et après on va avoir certainement une situation qui fera que on pourrait organiser une constituante pour la rédaction définitive, du moins le texte définitif, parce qu'il faut savoir que
on aura quand même besoin d'un plus large consensus. Et le plus large consensus ne peut... Tu as fait le consensus avec qu'il n'y a pas les partis politiques actifs. Mais et donc l'Assemblée nationale ne participe pas. C'est pourquoi je parle de constituant. Normalement, si on doit aller vers la constituant, on doit pouvoir intégrer ceux qui sont aujourd'hui les représentants du peuple, l'Assemblée nationale, au Sénat, donc le Parlement de façon générale, mais également les organisations de la société civile. Les gens de l'Assemblée nationale qui sont ils représentent pas le peuple. Hein? Oui, ils représentent pas le peuple, mais ils sont plus ou moins les dépositaires de la chasse législative. Donc, ouais. Donc, à partir de là, on peut les inviter à prendre part à la constituante. Comme on peut aussi prendre des citoyens qui jouissent d'une certaine connaissance en matière de droit, qui jouissent d'une certaine habileté en ce qui concerne l'intégrité liée à des fonctions qu'ils auraient occupées hier et qui aujourd'hui peut servir d'aiguillon pour orienter la nouvelle génération. Donc, la Constitution, c'est comme on le dit souvent, ce n'est pas que des personnes calées en droit, comme on dit, mais c'est un ensemble de personnes qui sont plus ou moins expérimentées, dans la gestion de la chose publique, mais également qui ont une certaine expérience de la vie, qui ont une certaine expérience professionnelle et qui ont fait montre quand même d'une certaine, d'une certaine valeur tout au long de leur carrière ou tout au long de leur vie et qui peuvent concourir de façon dynamique à l'écriture de cette constitution. Donc, ce ne sera pas seulement une affaire de députés ou ceux qui sont déjà dans le Conseil national constitutionnel. Il y aura également l'ambition de faire en sorte qu'il y ait une nouvelle organisation qui soit capable de pouvoir aller analyser au plus profond ce qui aura été proposé par le Comité national constitutionnel. Parce qu'il s'agit de l'avenir du Gabon, il s'agit du destin de notre pays, du vivre ensemble, parce que la constitution qui doit sortir de cette transition doit être celle qui ne devra plus souffrir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des modifications à tout vent par rapport au prince, mais beaucoup plus qui est l'émanation de toute la nation. Est-ce que les partis politiques n'ont plus un rôle à jouer par rapport au référendum ? On verra, surtout qu'aujourd'hui, on est quand même dans une idée de suspension des activités des partis politiques. On n'a pas dit que ces partis politiques n'ont pas une existence légale. Ils n'ont pas seulement d'activité en ce moment, il faut le préciser. Mais cela n'empêche pas qu'on est, au moment où il y aura la constituante, si tant est que les autorités de la transition jugent utile d'organiser la constituante, eh bien, qu'on fasse appel à un certain nombre de hiérarques de partis politiques. Et Madame Muriel Minko a dit que le référendum est une question unique. Je ne sais pas si nous avons forcément besoin des partis politiques pour son organisation. Ça peut être une erreur. Ça peut être une erreur. Parce que Muriel Minko, c'est une technicienne. Les partis politiques ont des assises sur le plan national. Ils ont échoué. Oui, les partis politiques ont échoué. C'est quand même dans leur mission. Ça peut paraître un raccourci, mais les partis politiques restent engagés parce qu'il y a des militants. Il y a des gens qui continuent à adhérer dans ces formations politiques. Vous avez l'Union nationale, vous avez même le Parti démocratique gabonais dont on souhaite la disparition, continue à avoir des gens qui se réclament appartenir à ce groupement politique. Vous avez le CLR, vous avez le PSD, il y a tous les 104 partis politiques que nous avons dans notre pays existent toujours et ont des militants. À partir de là, chacun peut donner une consigne en interne à ses militants pour dire, au regard de la situation qui est la nôtre aujourd'hui et surtout avec les discussions qui ont été faites au dialogue d'Angondje, donc au dialogue national inclusif, ou encore au regard du fait que nous n'ayons pas été pris en compte, eh bien, nous, on vous demande de voter non. Déjà même, il y a un groupuscule qui a commencé à militer pour le non. D'ailleurs, j'ai vu Marc Malekou s'engager pour cette cause-là, le non. Même s'il y a d'autres aujourd'hui qui, eux, sont en faveur du pour. J'ai aussi vu le comité populaire pour la transition également qui a commencé ses activités pour appeler au vote du oui, alors qu'officiellement, on n'a pas encore commencé les hostilités. Mais ça veut dire que derrière, il y a que les autorités de la transition doivent redoubler de stratégie pour impliquer aussi les acteurs politiques. Une chose est de dire
on va faire le, comme, le, comme ça se passe en France, on se passe des partis politiques pour l'organisation des élections, ok, et que le ministère de l'Intérieur puisse se charger de tout. Mais quand il s'agit d'aller convaincre les électeurs sur le terrain, je ne pense pas que tous les membres du CTRI fassent l'unanimité auprès des populations ou que le CTRI aujourd'hui puisse être unanime auprès des populations ou même son leader. À partir de là, il va falloir travailler avec les leaders syndicaux, les leaders d'associations, les leaders des partis politiques et faire en sorte que l'ensemble des forces vives de la nation travaillent soit pour le oui ou pour le non. Parce qu'il n'y aura pas nécessairement 100% oui. Voilà, 100% oui. 100% non. Donc, voilà, donc il faut faire participer tous les acteurs. Si vous dites que vous pouvez vous passer des acteurs politiques, c'est une erreur. Et ce n'est même pas démocratique. Et ça ne rentre même pas dans l'esprit de l'inclusion politique dont on a besoin aujourd'hui. Parce que les acteurs, encore une fois, les partis politiques comptent de par le poids de leurs militants. Quand on regarde dans l'ensemble, imaginez sur l'instant que les partis politiques s'abstiennent d'aller mener campagne pour le référendum. Par exemple, le oui. Ils décident de ne pas militer pour le oui, qu'ils s'inscrivent dans la logique du non. Qui parmi tous les techniciens autour du CTR aujourd'hui peut réellement convaincre les populations de la bonne foi du CTRI à faire en sorte qu'on ait un régime démocratique à l'issue de la transition? Les partis politiques. Et ils sont combien? C'est ça la question. Parce qu'il ne faut pas confondre. Une chose est de participer à l'appel à la gestion de l'État, comme on le voit avec Barrot Chambriès et son regroupement politique, le Premier ministre Raymond Doncima, mais ils ne sont pas forcément d'accord avec tout ce qui est proposé. D'ailleurs, Raymond Doncima n'hésite pas à le dire sur un certain nombre d'aspects concernant les conclusions issues du dialogue national inclusif. Il y a des aspects qui pour lui, sont pratiquement antidémocratiques. Donc, à partir de là, il faut savoir que si vous ne faites pas en sorte que les formations qui sont dirigées par ces personnes, eux, ils peuvent être pour le oui, mais avoir des militants qui ne se retrouvent pas dans ce qui est proposé. Surtout qu'aujourd'hui, quand on regarde la cherté de la vie et tout ce qui sont toutes les vicissitudes que les populations rencontrent aujourd'hui en termes de logement, en termes de d'éducation, de santé, de liberté de circulation, la liberté d'expression, l'adduction d'eau dont tu en parlais tout à l'heure, toutes ces questions-là font que les coupures d'électricité, toutes ces questions font qu'aujourd'hui, ça peut être des motifs du non, favorable ou non, pour le référendum, au moment du référendum. Donc, à partir de là, il est nécessaire de créer la même synergie que celle qui a prévalu au moment où le CTRI est arrivé au pouvoir. Il faut concilier les points de vue, il faut rassembler, il faut travailler avec tout le monde, ne pas dire les partis politiques, on s'en fiche, on les jette à la poubelle ou on les jette aux orties. Parce que ces partis politiques sont des acteurs importants au niveau de la société. Il y a des gens qui se reconnaissent à travers les leaders politiques. Si vous vous en séparez ou si vous les mettez de côté, vous venez à les mettre de côté, ben c'est vous-même qui vous tirez une balle dans le pied. Donc il est important qu'au moment où il y aura le travail qui doit être mené pour appeler au vote du oui au référendum, eh ben, qu'on soit dans l'esprit de considérer que ce n'est qu'en faisant l'addition qu'on peut atteindre les objectifs, pas en faisant la soustraction ou pas en mettant les gens au banc. Donc on est vraiment dans une situation où le Comité national constitutionnel a décidé d'aller présenter les grandes lignes au président de la transition, quoique Muriel Mikwe, épouse du ministre, avait déjà annoncé dans sa conférence de presse que le RFI, par exemple, en parlant de ces grandes lignes qui ont été présentées au chef de l'État, il y a eu des fuites, ce qui sous-entend aussi derrière qu'il n'y a pas une bonne gestion des personnes qui sont autour du Comité national constitutionnel, dans la mesure où si on parvient à avoir des fuites et qu'ils sortent sur une chaîne étrangère, ça veut dire qu'il y a quand même un problème de contrôle derrière. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, le président de la transition a pris connaissance des grandes lignes qui seront débattues certainement au cours d'une constituante pour l'écriture de la nouvelle constitution. Et on espère simplement qu'il y aura un esprit inclusif qui va s'imposer à tous les acteurs. La fraîche.
D'accord. Merci, Mosley, avec nous ce matin. C'est les 104.5 Urban FM, la station Urban. On se retrouve demain à 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, le Daf Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.